Salut à tous, alors voilà, un petit peu de level up comme vous voyez, 69 niveaux, hein. Donc 166 de vigueur, alors ça c'est très important la vigueur, puisque c'est la statistique qui fait augmenter les dégâts d'attaque physique. Alors comment j'ai fait pour l'augmenter, j'ai pris Raiden, vous allez voir, force plus 2 mais en fait c'est vigueur, hein. C'est pareil, vous voyez en haut. Et donc à chaque niveau je prenais 2 de vigueur. Un total de 166, vous allez voir que ça fait très mal. Alors j'ai pris le père poignet pour augmenter encore plus la vigueur, hein. Le ruban pour les altérations d'état, et je level up comme un malade en prenant l'œuf pour augmenter l'XP et en combattant des des tyrannos. Donc là on va combattre le brachiosaur, je suis pas sûr d'y arriver parce qu'il peut éternuer et me faire gicler le combat. Bon là j'ai eu de la chance, je l'ai attaqué par surprise. Ça veut rien dire. Donc j'ai le bouclier paladin, au cas où, parce que sinon il me tue en 5 secondes. Voilà. Vous allez voir que ça fait assez mal avec ma vigueur. Voilà. Vous l'avez dit. Et éternuer, et voilà, il me fait gicler. Encore. Je vous ai dit, c'est chiant. Je fais ça pour pas perdre de temps, mais c'est pas de la triche, hein, le truc de jouer. Voilà. Donc là, je suis protégé des altérations d'état grâce à mon ruban. Et ça se fait très mal aussi. On risque de mettre pas mal de temps. Ah oui, alors cette vidéo, je l'ai déjà faite et j'ai eu la rage là. J'ai failli péter un plomb. Oh le con. Oui, surtout que j'étais à 17 minutes, c'est-à-dire à la fin de la vidéo. Et je suis mort. Et j'avais pas sauvegardé depuis le début de la vidéo, donc voilà. Du coup, j'étais obligé de la refaire, quoi. Donc ouais, il suffit d'avoir de la chance et qu'il arrête d'éternuer, quoi. Hop. Oui, la vigueur n'augmente pas. Si on met pas un truc pour augmenter la vigueur, hein. Ça augmente pas tout seul la vigueur. Faut absolument mettre un truc qui augmente le magicite qui augmente la vigueur à chaque niveau. Sinon on a une vigueur de merde, on fait des dégâts le con. Moi j'y crois pas. Oh le con. Alors ça c'est vraiment un truc de bâton. Putain, quel salaud. Ah, c'est vraiment l'ennemi le plus fort du truc, hein. Comment je perds du temps, c'est hallucinant. J'ai réussi à le battre au bout de la deuxième fois dans ma précédente vidéo, mais là ça a pas l'air de vouloir. Le pire c'est quand il éternue, quoi. Bon, je crois qu'il a environ 50 000 points de vie. Ouais, ça doit être ça. Vous voyez, il fait mal. Bon, bah, je crois que je vais crever. Voilà, je fais deux expédits et il est mort normalement. Plus qu'un. Voilà, faut vraiment avoir de la chance. C'est bon. Bon là, je vais pas faire la connerie de pas sauvegarder. Hein. Voilà. Donc ça c'est bon. On va se soigner. Retourne au vaisseau et en route pour Kafka, vu qu'on a tout fait. Pas de regret. De toute façon on peut retourner en arrière, hein, quand on est chez Kafka. Alors pour XP j'ai fait pas mal de trucs, j'ai battu les dragons et aussi eux, qui vous allez voir donnent plus de 10 000 XP et on peut tous les tuer à un coup grâce à la 8ème technique de Siam. Vous allez voir, on va faire une petite choucroute là avec de l'herbe, c'est un peu dégueulasse mais bon. Voilà, hop, 10 000 XP x2 si on a l'œuf, hein. Ce qui fait 20 000 quoi, non sans blague. Donc 20 000 XP, vous voyez là, vous allez voir 168 166 de vigueur, 169.
Vous voyez, ça augmente la vigueur à chaque fois. Ce qui fait des dégâts énormes. Donc maintenant, on va aller à la tour de Kafka. On va se dépêcher un peu. Donc c'est clair que la tour de Kafka, je vais pas la terminer maintenant. Il faudra quelques vidéos quand même. Donc voilà, là vous faites comme si vous vouliez descendre. Petite scène. Moi, ce qui m'éclate, c'est que le vaisseau continue à avancer quand même. Le temps qu'il parle, ça, on va se retrouver je sais pas où. C'est un peu con, ils auraient dû le laisser sur place. Pardon. Je vous laisse lire. Et vous voyez que ça montre pas dans la scène les deux persos cachés, hein, Gogo et Umaro. Pour pas nous montrer qu'il y a des persos cachés, c'est vraiment des persos cachés quoi. Donc là je vais mettre déjà un mage par équipe. Donc dans cette équipe, vu qu'il est niveau 70, hein, on peut foutre des merdes, on s'en fout. Parce qu'à lui tout seul, il va te poutrer tout le monde. Donc voilà. Là on va mettre un bourrin aussi. C'est inversé. On va aller loquer. Cette terre. Je vous ai dit on va mettre des merdes. On va mettre Shadow ici. Là, Edgar. Et voilà. Et là on fout tous les autres. Déconseillé de mettre Umaro puisqu'on peut pas le contrôler. Hein. Mog. Alors c'est l'équipe du milieu qui combattra Kafka si je me trompe pas. Donc en fait j'ai... Ouais, en fait j'ai fait de la merde. Je vais pas mettre lui contre Kafka, elle contre Kafka. Je vais mettre Edgar. Ah bah cette équipe va être trop faible après. Ah quel dilemme. Qu'est-ce que je vais faire? Ouais, c'est dur d'équilibrer les équipes, surtout quand on a un bon perso et tous les autres très faibles. Vous voyez, ils vont tenir difficilement quoi. Là. Sabine, si elle... Ouais, c'est sûr. Allez. Donc là, vous allez voir, ils sautent tous. Qu'est-ce qui dirige le vaisseau? On s'en fout, ils se crachent. Ils se crachent comme une merde. On s'en tape. Donc voilà, nous aussi, on se crache comme des merdes d'ailleurs. Et voilà. On le saurait pas encore. Donc maintenant, il va falloir s'équiper. Non, attendez, je vais pas équiper ce groupe en premier. La musique, je l'adore, sérieux. Je vais mettre les trucs pour frapper deux fois. Quatre fois, pardon. Voilà, c'est bien. Non, pas le bouclier pad. Putain, je fais n'importe quoi. Mais qu'est-ce que je fous? J'arrive pas à me retrouver. Je m'emmène les pinceaux là dans les touches. Voilà. Donc lui, on va lui mettre autre chose. Je vais me mettre un case force, voilà. Lui, bouclier de. Je sais pas. Là, là. Voilà. Je vais me mettre des boucliers élémentaires. Putain, j'ai fait. Putain, je suis vraiment un boulet. Voilà. Donc les cuirs dorés, pieds de flamme. Voilà. Ouais, vaut mieux mettre les boucliers élémentaires, comme ça on se protège bien. Donc là, on va se mettre des reliques. Et on va mettre un truc qui augmente la vigueur. Et allez, quoi. On va mettre quoi avec? La ceinture noire. Lui, un truc augmente la magie et l'attaque. Je suis désolé, hein, c'est un peu chiant. Un ruban, tiens. Lui. La demi-heure.
Non. Ah, mais on a plusieurs rubans. Je sais pas comment j'ai fait pour en avoir deux. Enfin... Y'a pas le machin Zephyr, hein. Cap. Cap Zephyr. Mousqueton. Voilà. Un énorme désespoir. Alors lui, on voulait augmenter sa vie. Pareil. Puis on veut augmenter son esprit. Voilà. Voilà, ce groupe, c'est fait. Après, on met les autres, pareil. Vous allez voir pourquoi je leur mets pas le bouclier paladin, c'est parce que je le garde pour les autres en fait. Alors on va mettre, voilà, son truc spécial. Boucle d'oreille. Boucle d'oreille, épingle d'oreille. Basket. Faut être une basket dans chaque équipe, hein, sinon ils vont pas courir. D'ailleurs j'ai oublié de le faire dans l'autre, enfin tant pis. Barrette, augmente le taux des attaques. Ouais, très bien. D'oreille. Merde, j'ai enlevé toutes les boucles d'oreille. Ça va pas faire. Faut plutôt une amulette. Non, ça chie. Je sais pas, moi, un ruban, y'a pas. Ah, voilà. Et je mets un peu au pif, hein, je vous l'avoue. Voilà, vaut mieux. Non, ça sert à rien, y'a le ruban. Putain, je suis un boulet. Décidément, je suis un boulet à vie. Voilà. Donc là, c'est bon. Parce que je leur ai mis les. J'espère, non. Donc lui, comme esper, on va lui mettre. Au pif, allez, on va pas se faire chier. L'esprit, bah, très bien. Elle a un truc qui augmente les MP si possible. Voilà. Ça c'est qui ça? Ouais, c'est lui. On va voir ce qu'il va faire. Mimé, offense au titre. Très bien. Pas volé, non. Je vais mettre magie. Croquis, jackpot, danse, quoi ça? Magie. Voilà. Donc, alors eux c'est bon, non? Ouais. Ah, ok. Et c'est bon. Voilà, plus qu'un groupe. Voilà. Non, en fait, je vais pas lui mettre lui. Je vais le mettre à elle, voilà. Voilà. Y'a plus de bouclier élémentaire ou quoi? Ouais, on y aura plus. Donc maintenant les reliques. Épingle dorée, boucle d'oreille. Baguero basket. Gant de voleur là. C'est ouf. Pas un truc que le manque les. Voilà. Surprise. Là aussi on va lui mettre. Surprise. Moment de vigueur. Voilà, bon, ils ont pas des super niveaux hein, à part si. Mais on s'en fout. On fera avec. Alors. Force, MP. Voilà. Ça prend les trois quarts de la vidéo, hein, le truc. Moi j'aime bien personnellement faire ça, mais je sais pas si vous aimez voir ça. Alors, la banque, ça peut augmenter la vie si possible. Je sais pas. Non, c'est pas bien ça. Allez, on va pas. On va pas prendre 3 heures pour ça. C'est à lui que je vais mettre Bismarck en fait.
Voilà. Et là, je vais pas faire la connerie de la dernière fois que j'ai fait la vidéo. Je vais sauvegarder. Parce que sinon, je vais devoir tout le monde taper. Et non, merci. Donc, je vais d'abord prendre le groupe de Cyan en fait. J'ai oublié les baskets, bien entendu. Voilà. Et vous allez voir Cyan avec ces deux trucs. Avec ses 8 attaques et sa vigueur de barbeau. Il va faire des dégâts de fou. Quoi. C'est limite s'il est invincible quoi. Alors lui, vu que j'ai changé les touches, je sais plus faire ses techniques. C'est assez emmerdant. Ouais, n'importe quoi. J'arrive même pas à faire une simple technique. Oula, il soigne lui ou quoi. Attends, je tente. Merde, il y a la webcam qui accroche au clavier, du coup ça déconne. Ouais, vous voyez les dégâts de Cyan, hein. À chaque niveau il fera encore plus de dégâts donc. J'espère que c'est bien ce groupe qui se bat contre Kafka, parce que sinon les autres ils vont chialer. Voilà, Shaken. Alors Shaken qu'est-ce que c'est? Je crois que c'est une arme pour je sais plus qui. Ouais, super précis, comment je parle. Shaken. C'est bien une arme Shaken. Ce quoi, à moins que ça soit un espèce de shuriken, là. Je trouve pas shuriken. Ah, voilà, c'est ça. Ouais, c'est une étoile. Un shuriken. Là. On va bientôt se quitter. Hein. Alors, vous allez voir, c'est ça va être la tour de Kafka. Il y a deux dragons à battre. Putain, mais ils absorbent tout, ils m'énervent. Voilà, là on a plus qu'à attendre qu'il les massacre tranquillement. Et voilà. Sérieux, mais Kafka, il va me manger là. Donc y'a rien à faire par là. Oh! Putain, mais il y a 25 000. Oula. Allez, là. Quel massacre. Ah bah j'arrive au moins à faire ça. Voilà. Donc on va se quitter ici et à la prochaine vidéo on va faire la tour de Kafka je pense presque en entier et la vidéo encore d'après, enfin la dernière vidéo je sais pas laquelle ça va être mais la dernière vidéo ça va être une vidéo géante où je vais faire le combat contre le dernier boss parce qu'il n'y a pas que Kafka hein, c'est assez long plus la fin du jeu en une seule vidéo. Donc voilà, donc on est bientôt à la fin hein. Je pense à 5 vidéos de la fin. Allez, à plus.